Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion. Donc aujourd'hui c'est dimanche, enfin là évidemment pour vous peut-être pas, mais pour moi c'était dimanche. Donc j'ai fini mes quêtes quotidiennes et évidemment on a toujours nos 40 gemmes. Je suis monté à 1400, 8 courants, 4 inhabituels, le coffre est monté à 35%. Alors au niveau de la progression, on est à 10, on est à 32. Non, t'es sérieux, on est à 27. J'ai monté de, ouais, 4 niveaux quand même. C'est pour ça que j'ai chopé 3 boosters. Ok, ah, je suis choqué. Ok, bon bah c'est bien, 32, on va vers le 66, c'est ça? Ouais, c'est ça, 66. On est pratiquement à la moitié. Bon, on va aller chercher un booster. Quand tu veux. Allez! Tiens, c'est qui elle? Yambi. Ok. Alors au niveau des boosters, on a 1400, on va en prendre un comme ça. C'est parti. Voilà, obtenu. On va aller voir les boosters. Et donc comme vous voyez j'en ai 6, on va en ouvrir 3, puis je ferai encore un épisode avec certainement les 3 autres. Donc voilà, allez, on est parti pour le premier booster. Alors ça commence par un joker inhabituel, on était donc à 4, on passe à 5. Ici carte verte, position de Tivar. Donc carte qu'on avait déjà, mais de toute façon je pense qu'on va avoir de plus en plus de mal à trouver des cartes qu'on n'a pas. Bombe crânienne du fourneau. Tiens donc, elle me dit plus rien du tout cette carte là. C'est une carte incolore. Elle brûle avec toute la passion d'un créateur déchaîné. Ok. Ouais non, j'ai vraiment aucun souvenir. Enquête infectieuse. Donc ça c'est une carte noire qu'on a déjà aussi. Ouais, bizarre. Les fosses de Méphidros. Ah bah ça on connaît par contre. Terrain sphère. C'est vrai que des terrains j'en ai pas eu beaucoup sur celui-là. Dans le domaine de chez Oldwed, les tannes d'acier livrent une guerre incessante dans son ombre immense. Ok. Ascension de l'aspirant, carte bleue qu'on a déjà. Donc voilà, je vous la montre quand même. Synthétiseur de Sani, ouais. C'est pas des cartes. Franchement, je suis un peu déçu hein, par. Soit c'est des cartes super pétées et franchement c'est horrible. Soit franchement c'est des petites cartes de rien du tout quoi. Lieu sur Miran. Je l'avais déjà ça. Ah oui, si je l'avais. Ouais, c'est une sorte de tente là. Ok. Carte incolore aussi qu'on a déjà. Bon bah écoutez, pas terrible ce booster, je trouve. Ça vend pas du rêve, hein.
Allez, on va sur le deuxième booster. Ah, une nouvelle carte, bah dis donc. Alors, sacrifice de Nahiri. C'est une carte rouge qui arrive au deuxième tour. C'est un sort de rituel. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier un artefact ou une créature avec une valeur de mana de X. Le sacrifice de Nahiri inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. D'accord. Ça peut être bien ça. Ok. Galopin cacophonique. C'est une carte rouge qu'on a déjà. J'en ai pas vu beaucoup de ces galopins là. Ou alors au tout début. Tiens donc, une carte murmure de Méphidros, je pensais tous les avoir. Donc c'est une carte noire qu'on a aussi déjà. Hein. Donc voilà, je la présente pas, mais je vous laisse un peu le temps de regarder. Mais Méphidros, je pensais que je les avais tous, hein, cette carte là. Bon, cette fois-ci, ça doit être le cas. Hein. Œil de Malcator. Donc carte bleue là automatiquement. Qu'on a déjà aussi hein, évidemment. En parlant de carte qu'on a déjà, cycle alimentaire impitoyable. D'accord. Ok. Atrocité Tyrannax. Donc carte verte qu'on a aussi déjà. Elle est costaud celle-là. Oh, quoique 5 pour 4-4. Oh non, il y a de l'arnaque là. Maître de l'essaim piquant. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu celui-là. Ok. D'ailleurs, on doit tous les avoir maintenant. On dirait une vierge de sang. Ok. Bon. On va sur la dernière carte. Allez, en espérant que ça va être bien. Ah, nouvelle carte incolore, épée de forge et de frontières. C'est un artefact équipement. La créature équipée gagne plus 2 et a la protection contre le rouge et le vert. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, exilez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Équipement 2. Ok. Moi, ouais, je suis pas fan. Hein. Mais bon, à voir. Faudrait tester. Ok, on va sur le dernier booster qu'on fait pour cette émission. Allez, c'est parti, vas-y. Oh là là. Ah, super. On a récupéré un rare. Ok. Forgeur de charbon. Forgeur de charbon. Créature phyrexien et bête. Ok. On l'a déjà celui-là. Non, ça me dit rien du tout. Hein. Planelle d'Exor, oui, ça, évidemment, on en a. D'ailleurs, ça doit être les derniers, là. Porteuse de testament, carte noire, qu'on a aussi. La baie chirurgicale, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue, celle-là. Une carte bleue qu'on a déjà évidemment. C'est un terrain. Ah bah c'est cool. Moi qui me plaignais de ne pas avoir beaucoup de terrain, là je vais en prendre deux sur la même session. Offrir l'immortalité. Ah, offrir avec contact mortel. Ouais, jusqu'à la fin du tour, donc ça sert à rien. Enquête infectieuse. Oh punaise, ça fait déjà deux. Troll à valeur de pétrole. Ça faisait un petit moment aussi qu'on l'avait pas vu lui. Et enfin, gardien de prison sans âme. Ouais, bof, pas terrible hein, la session.
Je suis un peu déçu là. Au niveau des decks, je me suis pris une dégelée avec le blanc. Je me suis fait défoncer le blanc. Je me suis fait défoncer le Orzhov. C'est le Selenia qui, pour une fois, d'habitude il se fait toujours éclater. Et là, pour une fois, c'est lui qui m'a sauvé la mise. Le Golgari a rien fait non plus. En fait, les plus gros decks que j'avais réussi à faire, ils finissent par ne plus plus être efficaces. Et c'est celui-là qui était carrément inefficace qui commence à le devenir. Donc, allez comprendre la logique. Donc, on va venir voir ici. Donc, on est bien à 32 au niveau de la maîtrise. Et ici, donc, voilà quoi. On est à 77. On s'approche des 90, hein, petit à petit. 90, on repartira sur les autres. Hein. On repartira sur essayer d'exploiter les autres decks. Ok, enfin les autres saisons du moins. Donc voilà. Ok. Bon. Bah, écoutez, il est temps de se quitter. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, bye bye tout le monde. Thank you.